Salut à tous, c'est Choufi. Aujourd'hui, on se retrouve sur Barbershop, un jeu que vous connaissez sûrement, un jeu que vous avez déjà pu voir au cours de différents gameplays, etc. En gros, aujourd'hui, je vais incarner un barbier, donc je vais tailler des barbes à tire-larigot. Et donc, j'ai choisi un jeu qui est quand même vachement bien fait en graphisme, parce qu'il y a Barbershop 1, Barbershop 2. On y va, hop, je mets juste mon petit casque. Youp ! On se plonge dans les années 30. Petite musique. Alors, en ce qui concerne les touches, j'ai pas encore regardé du tout parce que je suis un peu une tech. Donc là, ici, on a ce que le mec voudrait que je lui fasse. Voilà, je vous rase, monsieur. Vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. Pas vraiment, mais bon. Si, vous savez, pauvre Shoga. J'ai mis les pieds dans un salon de barbeur. The Barber Shop. Là, ça me paraît bien. J'ai rien oublié, je crois. Pas qu'il y ait trop de poils dégueulasses. Voilà, monsieur, c'est bien. Tous les poils, hein, ça fait du bien. Hein. C'est l'été, hop. Voilà. Voilà, voilà. On remonte un peu ou on va regarder ce que ça donne. Hein. Bah écoutez, je pense que c'est pas mal. Vous êtes plutôt beau gosse. On va mettre une niche, on va voir ce qu'il en pense, le gars. Alors, dans 1000. Là, on est plutôt bien. C'est pas mal. Et il est plutôt satisfait. Quelle note mets-tu? J'ai gagné 65$, je vais, c'est bien. Pour un truc 65$, je vais moins bien de payer comme ça. Lui, il veut à blanc. Et ben dans un premier temps, on va vous raser. On va vous raser la touffe. Voilà, on rase. Mais on, en fait, on vous enlève le surplus, si vous voulez que je vous explique en même temps, monsieur. Vous avez le surplus de poils. Je vous enlève le mode grizzly activé. Et ensuite, je vais vous raser à blanc. C'est juste que sinon, vous voyez, là, vous regardez, je vais changer de... Voilà, on y va doucement, parce que oui... Effectivement, c'est un peu coupant. Voilà, plus un poil qui va rester sur votre beau visage, monsieur. Votre doux et beau visage, monsieur beau gosse. On enlève tout, monsieur. Attention le nez, hein. Oh, attendez, j'ai vu des poils là-bas. Voilà, je les ai enlevés. On a évité le pire. Il y a un poil là qui résiste, hein. Voilà. Ici de même. Voilà. Oh, que vous êtes beau. Performance à fond. Ok, donc on est plutôt pas mal. Alors lui il veut à blanc. Bon allez, on y va. On y va à blanc. On y va direct avec ça. Hop, comme ça va plus vite. Hein, parce que bon, à blanc, à un moment donné, on commence à avoir l'habitude, monsieur. Je coupe des barbes depuis que je suis née. Hein. Je suis sortie du ventre de ma mère, je coupais des barbes. Alors on va pas venir apprendre à moi. Je vous ai coupé un peu l'oreille. Oh, ça va. Douillette, va. T'es un homme ou t'es pas un homme? Et voilà. Ah voilà, tout à fond. C'est magnifique. Bon, il y a juste un petit problème d'oreille. Oula. Alors, là, il veut carrément... Alors, tout... Il veut qu'ici, ce soit rasé. Tout ça, rasé, rasé, rasé. Qu'en bas, ce soit rasé, je crois. La précision, c'est pas moi. Hein. Oui, si on peut y aller, hein. Il n'y a pas de risque. On va aller par là. Vous êtes beau gosse comme ça, dis donc. Bon, plus fin. Je vais essayer, ok. Et écoutez, je vous promets rien, moi. Pas très bien centré, hein. Oh la merde. ouais. C'est trop cher. Ah, il est trop laid, mon gars. Mais il m'a donné assez plus, hein. Je pense qu'il me kiffe. Encore tout rasé. Allez, on y va. Hop, 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 hop. On traîne pas, ça. C'est pas ce qui nous prend le plus de temps, monsieur, je vous assure. En 5 minutes, c'est réglé, hein. Vous dites adieu à votre barbe tout pourrie et bonjour à la nouvelle. Vous savez, tous les grandes stars s'arrachent ma précision, hein. Vous êtes tout beau, monsieur. Regardez un A, mais c'était obligé ça. Qu'est-ce qu'il veut? Oh, il revend encore le bouc tout pourri là. Je comprends pas le principe en fait. Pourquoi vous êtes si méchant avec vous-même? Vous ne vous aimez pas. Je pense que c'est un problème là. Hein. Vous n'aimez pas vous aimer beaucoup. Hein. Hop, hop, on coupe les derniers petits tifs. C'est trop moche, mais si tu veux ça, bah. Un B moins, mais c'est quand même pas une vieille note. Hein. Encore? Bah attends, je vais pas faire que ça. Et écoutez, je suis visagiste. Laissez-moi faire. Enfin, moi, une coupe du tonnerre. C'est très à la mode en ce moment. Donc, si vous me laissez faire, on peut faire quelque chose de très propre. Je vous assure, monsieur, c'est magique. Ah, tu m'étonnes. Mais c'était bon. J'avais bien aimé, hein. Alors, ok, donc vous voulez à blanc sur le dessus, d'après ce que j'ai compris, à blanc. Hop. Ici, un peu à blanc aussi. Au niveau des oreilles, on enlève. On enlève ici. Et de l'autre côté, on dégarnit au niveau des oreilles. Parce que je vois que sur les oreilles, vous êtes... Ça met pas hein, quand il y a des trucs sur les oreilles. Hop. Ouais. Et là, on prend la tondeuse
Et on rase quoi. Bah, je devrais faire ça, je devrais changer de métier, hein. Vraiment. Non. C'était bien. Ok. C'est moche, mais écoutez, l'élection est roi. Hein. Si je peux vous rendre moche et que ça vous plaît. Écoutez. Si c'est ce que vous vouliez. Votre souhait, c'est quand même pareil. F. Mais c'est des connards. Tiens, blanc. Ça, ça va être un client facile. F. Mais c'est juste pas possible, il veut raser à blanc. Toujours rien lâché, mais non. Alors, à blanc ici. Donc ça, je l'ai bien compris. J'ai compris votre demande. Voilà. Beau gosse. Beau gosse. C'est vraiment des vieilles notes. Hein. Encore ? Là, j'ai une idée. Laissez-moi faire, monsieur. La création me vient. Quand une barbier a la création, je suis désolée, mais faut pas l'interrompre. C'est inné, quoi. C'est comme ça. Les femmes vont s'arrêter derrière vous, vont dire « Oh mon Dieu, mais elle est trop beau !» J'ai un peu foiré, là. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ? J'ai fait mais alors tellement pas ce qu'ils voulaient, elle m'a mis un B et quand je me fais chier à faire ce qu'ils veulent, ils mettent des F. Bah alors là, tu veux quoi toi? Tu veux ça? Ok, on va faire tout l'inverse. Voilà. Tout l'inverse. S'il met une bonne note, c'est abusé. F, là c'était justifié, j'avoue. Non, on va pas te faire un book. Hop là. On va faire un double face. C'est-à-dire qu'en fait, tu auras la moitié de rien. Le débit, ça va être de faire des coupes un peu atroces, abominables, voir combien de notes ils vont mettre. Voilà. Donc ici, je trouve que c'est assez sympa. Oh, j'avais pas le temps, je me suis cassée, voilà. Pas fini. Oh, oh, une moustache fournie. Alors du coup, ça fait à blanc ici. On va la faire bien, celle-là, parce que tout à l'heure, en fait, on en a les mêmes. C'est pour ça que j'en avais un peu marre, du coup, c'est un peu n'importe quoi. C'est pas ma faute, après, si ta barbe, elle est moche. Hein. T'as des trous dans la barbe. Hey. Un A. Là, je peux acheter de nouveaux trucs. Ça, ouais, ouais, j'achète. Alors, là, c'est différent. Alors, il veut à blanc partout, mais il veut que je lui laisse un petit carré. Mais le dessus, c'est super dur, hein. Franchement, bah, voilà, c'est mort. C'est grave dur. Ouh. Un A. Mais comment tu vas être balayé dans la rue comme ça? Oh là, ouh là là, ouh là là, level, level, c'est dur. Alors, déjà, hein, on va te... Voilà, on va te raser là, parce que c'est ce que tu veux. Non ! Hop là ! Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était assez rigolo, tu vois, c'était mignon. J'ai su ce que ça faisait d'être un barbier pendant quelques minutes. Enfin, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne, ça ferait très très plaisir. Et puis, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut !